Il n'y a pas grand-chose dans la maison qui n'a été décidé, qui n'a pas été décidé à deux. À deux. Tonio a imposé deux choses. C'est sur le sol en béton poli. Moi, j'aimais pas le granito, l'idée du granito. Parce que j'avais été éduqué dans les maisons dans le nord, des années 50-60, il y avait beaucoup de carrelage en granito qui ne me plaisait pas du tout, ça faisait froid. J'avais été élevé là-dedans, je n'aimais pas du tout. Et Tonio défendait l'idée. Alors, l'histoire de sol, c'est tout un chapitre, l'histoire du sol. Mais in fine, comme je polissais, on n'arrivait pas à voir le granulat dans sa globalité. Et moi, j'avais peur de voir trop de granulat. Et donc j'ai poli, puis un jour j'arrive, Tonio il avait enlevé 3 mm au diamant, et c'était le résultat, et c'était, il avait raison. Il m'a un peu forcé la main sur ce coup-là. C'est, alors, il y a un deuxième cas, mais je ne me rappelle plus, un deuxième truc qu'il a imposé, mais je ne me rappelle plus. Mais celui-là, c'est le... Mais il avait raison, quoi. Mais autrement, toutes les courbes ont été discutées. C'est ça qui est formidable. Ça veut dire tout a été discuté, tout a été changé. Même l'histoire des trois hublots. Une fois que le ferraillage a été fait, on a décidé d'ouverture a posteriori, ce qui est simple avec les ferraillages. Et donc, soit c'était une ellipse, soit un ovale, soit un gros cercle, comme chez lui, comme chez toi, ou trois petits hublots. Alors évidemment, il m'a dit, tu me fais chier quand même. Parce que j'ai choisi tout de suite les trois hublots. C'était le plus difficile à faire. Et il faut regarder les trois hublots en détail, que ce soit de l'extérieur et de l'intérieur. C'est une vraie œuvre d'art parce qu'ils sont à la volée identiques. C'est très difficile à faire. Très beau. Très, très beau. Et en même temps, ça a un effet. C'est trois petites peintures. Trois petites peintures et qui font zoom. C'est-à-dire qu'on a le premier plan, le moyen plan et le plan lointain qu'on regarde par la fenêtre. C'est trois tableaux du paysage. Et ça, c'est... Ça veut dire que tu as participé aussi, quand tu dis c'est moi qui ai poli. Ah ben oui. Moi, j'ai travaillé tout le temps dans cette maison. Parce que cette maison, elle a été faite à trois. Trois personnes ont... pas en continu, mais c'était trois personnes sur le chantier. Tonio et un accompagnant qui a varié selon les époques. Et moi qui étais là toujours, très souvent, tous les week-ends, les midis, les soirs, les vacances, etc. Donc il y a plusieurs personnes qui ont accompagné Tonio selon les disponibilités. Et moi j'ai participé, j'ai le béton... de toute façon, pour les finitions, les peintures, etc. Mais se taper tout le terrassement, une fois le premier voile fait, je me suis tapé tout le terrassement intérieur, parce que c'était pas du tout fait. J'ai fait ça à la main, à la brouette, à la pioche, j'ai donné du temps. Non, puis les poses, des agrafes, le stucanet, c'était le deal de départ, puis moi j'adore ça. C'était évident que je me devais, puis ça tombait sous le sens. Parce que la maison Bulle, c'était pas ton projet de départ. Mon projet de départ.